L'accompagnement des clients apprenants en FLE, le cas de Low Cost Alliance Française de Singapour, c'est la suite de mon Master 2 que j'ai fait l'année dernière en distance, à distance. Et on va pouvoir passer directement au sommaire parce que je vais vous parler de moi au moment du sommaire. Donc, sommaire, introduction, j'ai fait trois parties. Contexte de l'Alliance Française de Singapour, je pense que c'est important de bien maîtriser un certain nombre de données pour étudier notre cas. Puisque c'est l'objectif de ma présentation, je ne connais pas d'autres centres de langue. C'est la seule expérience que j'ai en FLE jusqu'à présent. Ensuite, j'ai déniché un concept qui s'appelle Oikos et qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que ça permet de réfléchir à la relation des apprenants dans le centre de langue. Et puis, le centre de mes expériences, c'est WhatsApp. Donc, c'est ma troisième partie que j'aborderai un peu plus tard. Alors, je vais essayer d'être assez pragmatique. Il y a deux, trois mots de concept. Je suis très nul en jargon FLE. J'espère que ça ira. D'abord, je vais vous parler de moi. Pourquoi je suis nul en jargon FLE? C'est aussi parce que je ne viens pas du FLE. J'ai fait une école de commerce. J'ai fait du marketing. J'ai vendu des actions pendant une dizaine d'années. Je serais pour Evian, Yoplait, dans les salles de marché. Et puis, il y a 10-15 ans, j'ai décidé de changer de profil professionnel. J'ai pas beaucoup travaillé pendant quelques années. Et puis, je me suis dit, par hasard, je suis tombé sur un job de prof de FLE. Donc, je suis tombé vraiment par hasard dans le FLE et ça m'a énormément plu. Ça fait à peu près 10 ans. Au début, j'avais honte de ne pas être issu du FLE. Puis Laura m'a dit, non, il ne faut pas avoir honte, vous avez un profil différent. Ça peut être intéressant. Alors, je dis peut-être effectivement qu'il y a quelque chose à combiner entre mon habitude de travailler les clients à travers le marketing, parce qu'au fond, il y a aussi dans un centre de langue cette dimension de réfléchir aux clients, et puis le fait d'être un pédagogue et de vouloir transmettre des connaissances linguistiques. Voilà, donc ça c'était pour moi. J'habite donc à Singapour depuis presque 10 ans et je travaille à l'Alliance Française de Singapour depuis presque 10 ans. Alors, la page 5, contexte de l'Alliance Française de Singapour, présentation de l'Alliance Française. Ce qui est très important, et ce n'est pas le cas de tous les centres de langue, c'est que nous on est vraiment bicéphales. La culture a autant d'importance que la langue dans une alliance française. Et c'est très important parce que ça oriente tout de même les priorités de l'institution et les priorités de l'enseignant. C'est-à-dire que notre job, ce n'est pas seulement d'enseigner le français, c'est aussi d'apporter la culture française. Alors tout le monde le fait, mais chez nous, c'est beaucoup plus explicite que dans d'autres institutions. On a des objectifs d'emmener les étudiants, voir les expositions, assister aux films, participer à tous les événements gastronomiques, culturels qui sont proposés dans l'enceinte de l'Alliance française ou accessoirement à l'extérieur, par exemple, lors des festivals annuels de cinéma français. Ok, donc je continue, page 6. Je vais développer un peu ce qu'est l'Alliance française de Singapour. Donc il y a cette double dimension, le centre de langue et le centre culturel. On a un petit peu moins de 4000 étudiants inscrits. Ça commence à l'âge de 1 an. C'est très sérieux, c'est comme j'avais un an, et ce sont actuellement les classes enfants, c'est ce qui nous fait le mieux vivre. C'est un succès phénoménal. Et autant les inscrits adultes ont tendance à stagner, voire régresser légèrement, autant les enfants à partir de 1 an à 5 ans, donc l'équivalent de la maternelle en gros, pour la plupart, ça marche très très bien, toutes les classes sont pleines. Et les marges sont très très bonnes, ça rapporte énormément d'argent à l'institution. Donc on est très contents de nos collègues, les hommes pour l'instant ne sont pas en charge, mais de nos collègues qui s'occupent des enfants. En général, il y a des cours intensifs, extensifs, c'est un centre de langue assez banal, des cours généraux, des cours FOS. On travaille énormément avec Singapore Airlines, on forme les hôtesses et les stewards. Et on a évidemment tous les niveaux, les horaires, c'est typique, ce sont pour des professionnels, donc en grande majorité des cours du soir et du samedi, c'est là que l'école est pleine, mais également des cours dans la journée. Du côté du centre culturel, 300 événements par an, c'est quand même beaucoup.
Il y a toute une équipe, il y a 4 personnes qui travaillent pour la culture ici, 2 stagiaires et 2 employés. Le ciné-club qui se focalise sur le cinéma français et la médiathèque. Et amener les Singapouriens qui viennent étudier le français à s'intéresser à la culture, bizarrement, c'est un vrai défi. Ils ont une vision très segmentée de leurs objectifs. Les Singapouriens veulent progresser dans des domaines quantifiables. Et la culture, c'est pas très quantifiable. Alors que les langues, on peut passer des delphes, ils peuvent justifier de leur engagement vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres, dans ce type d'activité. Et la culture, c'est très difficile. On a fait venir énormément de personnes en concert et il y avait assez peu de présence de Singapouriens. C'était plutôt les Français qui viennent assister. Donc on a un vrai défi au niveau des profs, c'est pas simple. Et ça peut expliquer aussi l'intérêt de nos expériences avec WhatsApp. C'est un des objectifs, décloisonner nos missions culturelles et nos missions pédagogiques. Ok, il y a une médiathèque, une galerie, un café français. Voilà, tout ça est assez typique. Alors je vous propose d'aller page 7. Les outils de communication avec les apprenants. Donc comment est-ce qu'on communique avec nos clients apprenants au niveau de l'institution, pas au niveau des profs, hein. Alors page 8. Aujourd'hui, le plus important, probablement, c'est Facebook. Moi-même, je suis un parfait dinosaure, je n'ai même pas Facebook. Donc, je ne sais pas si vous, dans l'assistance et partout, vous avez Facebook, mais je suis de la mauvaise génération et j'ai un peu peur de Facebook. J'ai fait le saut direct sur WhatsApp. Ce qui est peut-être pire, en fait, mais bon. Donc, Facebook, c'est très important. Il y a 11 500 fans. Je ne suis pas très sûr de ce que ça représente en termes d'institution. Et je continue. On a après le site Alliance Française qui a environ 70 000 visiteurs annuels. 50 000 visiteurs uniques, parce qu'il y a différence de concept entre le nombre d'ordinateurs différents qui se connectent et combien de fois chaque ordinateur se connecte. Donc il y a environ 50 000 ordinateurs qui se connectent chaque mois. Donc bien entendu, c'est un outil essentiel et c'est toute la communication de l'institution vise à envoyer les gens sur le site pour qu'ils s'inscrivent, évidemment, parce qu'il faut le passage à l'acte. D'accord ? Alors on continue. Page 10, je vous donne quelques exemples de communication avec les étudiants. La newsletter, qui a 19 000 inscrits, environ 20 000 personnes qui reçoivent la newsletter. Et ensuite, il y a un magazine papier qui est distribué aux étudiants, gratuitement. Voilà, pour la partie communication, donc je ne vais pas m'appesantir sur cette partie, ce n'est pas mon domaine, mais j'essaie d'avoir quelques éléments de contexte de ce côté-là. Outils de suivi interne, ce n'est pas mon domaine non plus, mais j'essaie de vous trouver quelques éléments de contexte. Je suis page 12. En 2012, on a fait une étude client, parce que le grand problème, c'est qu'on arrivait à recruter des nouveaux apprenants clients très facilement, mais comme tout apprenant de langue, et la plupart d'entre nous sommes passés par là, c'est qu'on abandonne très vite si on n'a pas toute la disponibilité nécessaire. Donc il y avait un objectif de fidélisation. On avait un recrutement assez simple, mais beaucoup d'abandon au cours de la première année, 50% d'abandon. Le profil des étudiants, c'est plutôt des femmes, entre 20 et 30 ans, environ les trois quarts sont des femmes, et la majorité entre 20 et 30 ans qui sont soit étudiantes, soit des jeunes professionnels. C'est logique. Après, quand on se marie, on a des enfants, on est moins disponible. Et on avait analysé par cette étude papier que les apprenants étaient intimidés par les activités hors de la classe, où il n'y a pas de prof pour les guider. Dans la médiathèque, les expositions et ciné-clubs, comme j'ai mentionné avant, peu de personnes participaient à ces événements. Côté médias sociaux, donc j'ai dit Facebook, 11 600 fans, Instagram, on vient de relancer Instagram, c'est environ 360, mais ça va progresser. Et l'équipe de MacDacom m'a expliqué qu'il y a 4 critères pour évaluer l'efficacité d'une stratégie Facebook. D'une part, c'est l'acquisition de fans. De nos jours, apparemment, les entreprises essaient de trouver d'autres critères. Ensuite, c'est l'impression, c'est-à-dire Est-ce qu'on ouvre des pages d'écran? Engagement, c'est on interagit avec Facebook, avec un like ou en cherchant une information plus précise. Et puis le plus important pour une entreprise commerciale, même si c'est non-profit, c'est que les gens aillent in fine sur le site web, pour le côté école de langue. D'accord? Donc ça, c'était la partie
stratégie Facebook. Donc là, je n'ai pas tellement d'éléments, parce qu'apparemment, il faut beaucoup payer Facebook pour, d'une part, être plus visible, et d'autre part, avoir des informations sur l'efficience de ces critères chez nous. Donc, on n'a pas encore mis le budget pour avoir des outils plus pointus. OK ? Alors, ensuite, on a d'autres outils internes. On travaille avec quelque chose qui s'appelle Arc-en-Ciel. C'est un logiciel de suivi des étudiants d'inscription. On peut faire des tris. Je vous ai mis page 13. Les tris possibles par nationalité, par âge, par niveau, par profession, par niveau socioculturel, etc. Voilà, donc ça, ça permet d'avoir des éléments qui, en général, ne font que confirmer le profil déjà existant et qu'on peut voir de façon empirique. Okay. Ensuite, voilà, pour faire des tris, je vous ai montré un exemple. Homme-femme, trois quarts de femme, un quart d'homme. Attends, Pierre, pardon, tu as quelle page, là? 13. Excusez-moi, pas 14. 14. Désolé. Pardon, c'est page moi. 14. Merci. Et juste entre parenthèses, c'est avec cela que nous suivons nos classes. Je n'ai pas mis de visuel, mais pour, je ne sais pas si vous êtes familier, donc on peut voir la liste des étudiants, les présences, mettre les résultats des tests en direct, etc., etc. La page suivante, page 15, c'est une page Facebook. Facebook vous donne des statistiques sur le profil des personnes qui vont sur votre page. Donc là, il y a une petite différence, vous voyez 64% de femmes, 35% d'hommes, parce que les profils Facebook n'est pas exactement le même que les personnes qui passent à l'acte pour s'inscrire et prendre des cours. Il y a plus d'hommes qui s'intéressent, il y a plus de femmes qui finalement décident de prendre des cours avec nous. Voilà, page 15, je tourne. Deuxième partie, l'OICO, c'est le numérique. Page 17, le TNM, je tourne un peu vite, hein, parce que j'ai remis le plan à chaque fois. Hein. TNM, c'est un terme que j'ai imaginé, qui veut dire terminal numérique mobile, parce que je ne savais pas comment classer dans la même catégorie, les smartphones et les tablettes. Donc j'ai décidé d'utiliser ce terme-là. Je pense que ça, c'est assez clair. Page 18, j'essaie d'avoir un regard un peu rétrospectif sur notre relation à des tablettes. Parce qu'on s'extasie aujourd'hui qu'on puisse toucher avec les doigts des tablettes pour avoir des informations. Je me suis dit, après tout, c'est vieux comme le monde. Et déjà, sur les parois, dans les grottes, sur les grottes pariétales, on l'instinct humain, c'était de mettre sa main contre le mur, c'était de toucher, c'était de graver avec son doigt. Et on revient en fait à un geste qui est tout à fait naturel. Les enfants, c'est pour ça que les enfants adorent les tablettes, parce que c'est un processus d'interaction qui est totalement inné. Donc, j'ai juste mis quelques visuels pour montrer des tablettes dans l'histoire de la tablette, depuis l'homme préhistorique jusqu'à nos jours. Alors, page 19, un tableau un peu plus intéressant qui montre l'évolution des terminaux numériques. On avait fait tout un foin des tablettes quand elles sont sorties, mais en fait, elles sont en grande perte de vitesse par rapport au smartphone. C'est tout à fait logique, les gens ont un smartphone et pas tout le monde va faire le pas d'acheter en plus une tablette. Et c'est pour ça qu'au départ, mon projet de master, c'était de travailler sur la tablette et j'ai changé de direction. La tablette m'a posé différents problèmes. Le premier, c'était la connexion Wi-Fi. Malheureusement, on a fait l'expérience aujourd'hui que la technique nous joue souvent des tours. Et le Wi-Fi, par exemple, à l'Alliance française de Singapour, n'est pas parfait dans toutes les salles. Donc, avoir une tablette avec un Wi-Fi qui ne marche pas parfaitement, ce n'est pas possible. Il suffit qu'un ou deux étudiants ne puissent pas travailler et l'activité échoue. Et je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas utiliser la technologie des étudiants, puisqu'on a la chance d'être dans un pays où les gens sont hyper connectés. Ça n'existe pas, les étudiants qui n'ont pas un smartphone. Donc le principe avec, bring your own device en anglais, je me suis dit, pourquoi on n'utilise pas ces ressources qui, elles, sont fiables techniquement, parce que c'est quand même la base de toute activité. Et de fil en aiguille, bien entendu, j'ai pensé à WhatsApp, puisque c'est l'application populaire actuellement, que tout le monde a et sur laquelle on peut imaginer des activités. D'accord ? J'ai juste mentionné que le numérique est encore controversé dans l'éducation. Le numérique ne fait pas de miracle. Article du Monde, 2015.
et connecté pour apprendre les élèves et les nouvelles technologies, rapport de l'OCDE de septembre 2015, qui prouve qu'il y a quand même une réflexion sur la pertinence de la technologie. Tout le monde est d'accord sur le principe, mais après, comment est-ce qu'on l'applique? C'est plus controversé. Je suis page 20. Oikos clé technique. Donc j'en viens à mon histoire d'Oikos. Ce qui m'a plu dans l'idée d'Oikos, c'est que c'est un concept qui réunit l'idée d'éducation, puisque ça veut dire maison en grec, et l'idée d'économie. L'oikos dans les sociétés grecques, ça voulait dire l'économie de la maison. Et je trouve qu'un centre de langue, c'est un peu comme une maison. Vous allez voir que toute mon argumentation, c'est essayer de prouver qu'on est plus qu'un centre de langue, qu'on est un milieu social, et que c'est essentiel pour le développement de l'institution. Écologie, oikos plus logos. Économie, oikos plus nomos. Je suis page 21. Pardon, je ne vois pas. Il reste combien ? 5 minutes. Ah, 5 minutes, je vais accélérer. Ça va, après, c'est des visuels. Voilà, donc c'est ça qui est très important, d'essayer de montrer qu'il faut se décloisonner de la salle de classe et sortir un peu à l'extérieur de la salle dans l'institution et même à l'extérieur à travers un mode hybride sur le terminal numérique. Bon, je passe sur Techné, c'est pas très important, c'était juste le côté Google Docs. On peut aller page 22. Je vous ai juste mis le visuel de mon Google Docs où j'ai ouvert des classes. Pour chaque classe, en fait, je tape les notes directement pendant la classe et chaque étudiant peut y accéder. Bon, il y a 36 000 façons de faire ça. On peut mettre des blogs ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est la façon dont je travaille pour mes cours. Alors, numérique et motivation. Page 24. Je vais passer rapidement parce que j'ai un peu parlé de tout. Tout le monde sait que l'intérêt du numérique, c'est l'ubiquité, la personnalisation et une meilleure socialisation. Donc on va aller directement, page 25, les manuels numériques. Un très court mot sur les manuels numériques. On est un peu, à mon avis, en tant que praticien, que prof, j'ai l'impression qu'on est en deçà du potentiel pour l'instant. On n'a pas d'interaction à travers le manuel numérique. Un certain nombre de manuels numériques ne sont même pas accessibles sur iPad. Donc, pour moi, ça, c'est pas rentré en ligne de compte. On les utilise à l'école, c'est très bien. Mais ça ne facilite pas pour moi les interactions, les socialisations dans la classe. OK ? Alors, WhatsApp. On va aller directement page 28. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec WhatsApp. L'avantage de WhatsApp, c'est qu'on peut le projeter sur l'écran si on a un TMI dans la classe, à travers le QR code. Je ne sais pas si vous utilisez ça ou pas, si c'est très banal pour vous. Donc, vous mettez sur WhatsApp et vous pouvez scanner le QR et afficher votre page WhatsApp sur l'écran de la classe. Okay. Le QR, je l'ai mis page 29. Okay, je fais un coup d'œil rapide. Et page 30, je vous ai montré comment j'exploitais le matériel au départ. Donc, au départ, je le visionnais, je le projetais dans ma classe et je faisais des commentaires linguistiques devant tout le monde. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une très très mauvaise idée parce que ce n'est pas anonyme. Et les gens qui faisaient des erreurs ont cessé de contribuer. Donc, je n'ai pas trouvé de solution sur ce plan-là. Donc, vous voyez à droite, j'écrivais avec mon marqueur directement pour proposer des alternatives aux erreurs qui étaient commises. Mais même si on le fait, enfin, peut-être je ne suis pas très habile, mais même quand on le fait avec une certaine, par des voies détournées, ça a tendance à stigmatiser un public asiatique, peut-être c'est différent avec d'autres publics, qui a une certaine phobie de l'erreur. Et notre objectif, c'est qu'ils communiquent, parce que c'est notre souci ici. Il y a une tendance à peu communiquer. D'accord ? Alors, page 31, j'ai juste mis un exemple d'échange où je dis ce qui me semble intéressant avec le WhatsApp, c'est que la situation est réelle d'une certaine façon, puisque c'est un échange social qui se produit pas spécialement dans la classe, qui se produit à l'extérieur, entre amis, et il se trouve que le prof devient d'une certaine façon un ami de la classe. Alors on a des règles, il faut parler français si possible, mais si quelqu'un se met à faire quelques échanges en anglais, je ne réagis pas, je les laisse faire. C'est spontané, le fil est continu. D'accord ? Alors on va aller directement à page 33.
Ce qui m'intéresse, et c'est un peu l'introduction que j'ai réunie dans le programme du forum, c'est qu'en fait, à travers WhatsApp, les membres de l'Alliance prennent des costumes différents. Ils s'habillent de costumes différents. Ils peuvent être apprenants. Et là, ils traitent des questions linguistiques et phonétiques. Ça peut être des copains. Donc ça, c'est le côté social. Et comme vous l'avez compris, pour moi, c'est très important, je crois, pour fidéliser les apprenants. Le partage de bons plans, etc. Ils peuvent être acteurs du centre culturel AF. Ils s'échangent les bons tuyaux sur les films qui leur semblent intéressants, sur les expos, sur les livres à bibliothèque. Donc ça, c'est très, très riche. Et on arrive à notre objectif de fusionner la culture et la pédagogie. Et puis, quand même, c'est très important parce qu'il ne faut pas perdre de vue le côté client. Ils se relancent eux-mêmes pour s'inscrire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait partie d'un club, c'est comme un club, entre eux, ils se disent « bon, ben, on est dans le club ». Et ils ont plus envie, ils sont plus incités à rester dans ce club. Alors, je vais vous montrer les visuels. Page 35, après la page 34. Je vous ai montré quelques exemples d'échanges. Le premier, avec Wan Yu, mon loutre, c'est mon favori. C'est le film avec Liu Kenyi. Ils se corrigent entre eux. Mon, c'est pas ma, mais pour moi, ce sera mon nom. Vous voyez, ils se posent des questions linguistiques entre eux et ils se répondent. Donc le prof n'a pas nécessairement besoin de beaucoup intervenir, seulement quand il constate qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues entre les apprenants. Donc c'est très bien parce que ça donne un élément de contrôle pour voir ce qui n'a pas été compris dans des situations réelles. Donc on peut intervenir après, mais souvent les questions sont résolues d'elles-mêmes. Donc ça, ça libère énormément le prof. Les paresseux, c'est parfait. Hein. D'accord ? Deuxième visuel après, c'est faux, olé, c'est, les faux. Il s'envoie énormément de petits gimmicks, de petits trucs pour la prononciation. Comme ça, énormément. Chaque fois qu'il trouve des choses, et on peut travailler là-dessus en classe, ça les amuse. C'est quelque chose d'assez stimulant pour eux. D'accord ? La page suivante. Chine, est-ce que tu peux réserver 6-8 places dans ton resto ce jeudi midi ? Vous voyez combien c'est fini là ? J'arrive pas à voir. Une minute, ok. Une minute, oui. Voilà, donc là, c'est le côté social. Ils s'invitent entre eux, ils ont une activité sociale. Ensuite, Joyfo, César Salade, le visuel suivant. C'est la même chose, ils se proposent des activités où ils vont s'inviter chez eux, chacun va apporter un plat et ils l'écrivent en français. Donc là encore, on est vraiment dans la situation authentique. Après, ils s'envoient des bons plans. Le Babel Fish Like Gadget Can Translate Foreign Languages, c'est une oreillette qui peut faire la traduction simultanée. Ensuite, bonne chance pour le B1. Je ne sais pas si vous voyez le visuel suivant. D'accord, ils s'encouragent pour les tests. Ensuite, Free French Tutoring. Ils s'envoient des bons plans sur le site de l'Alliance, les choses qui sont apparues à l'Alliance. Et le dernier visuel, c'est « Je me suis inscrit pour la prochaine session. Mes amis, souvenez-vous de s'inscrire. » Le discount se termine à minuit. Allez, Wan Yu, oui, je me suis inscrit, blablabla, etc. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'objectif final, parce que mon principe, c'est que si les étudiants arrêtent, ils ne vont pas apprendre la langue. Donc, même si on doit accepter d'adopter un mode un peu plus ralenti sur le niveau linguistique, la dimension sociale fait qu'on a des étudiants qui restent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Par exemple, on a un crash course intensif qu'on a depuis un an et demi, ça n'était jamais arrivé, parce qu'ils sont très, très actifs sur le WhatsApp. Avant, ça s'arrêtait au bout de 7-8 mois, parce qu'on n'avait pas assez d'étudiants. Je constate, depuis 6-8 mois, avec mes classes, qu'il y a moins de défections. Alors, je n'ai pas d'éléments statistiques pour appuyer ça, mais c'est l'impression que ça me donne. Voilà, donc pour moi, c'est gagnant-gagnant, comme on dit dans le business, à la fois linguistiquement et à la fois commercialement, puisque les deux sont les nerfs de la guerre d'un centre de langue. Voilà. Et l'avant-dernière page, j'ai mis simplement notre WhatsApp de cours de chinois, parce qu'on prend des cours de chinois avec nos collègues et on essaie de se motiver avec WhatsApp pour ne pas abandonner trop rapidement.